C'est juste parfait. Ah bah c'était top hein, on a des conditions de ouf. C'était la folie. C'était top, c'était vraiment top. C'est aujourd'hui avec le soleil, le vent. Et oui, le soleil pour cette dernière journée de cette finale du NGK Tour de la Grande Motte, c'est à peu près tout ce qui manquait pour cet événement qui clôturait un tour magnifique de 4 étapes. Près de 200 km parcourus, 15 courses validées en foil, 13 en twin tip et en directionnel, et 9 titres décernés, c'est le bilan plutôt élogieux de cette finale. Il est intouchable sur sa planche directionnelle et on se demande bien si quelqu'un parviendra un jour à aller plus vite que lui sur ce support. Alex Kayser remporte le NGK Tour devant Chris Ballois et Sylvain Morin qui nous place un tiki sur le podium. En twin tip, 4 titres ont été décernés avec son style inimitable et sa bonne humeur légendaire, le Normand Samuel Michaël s'impose chez les hommes en senior. Pas dormi beaucoup, par contre je me suis réveillé et ça fait très longtemps que je cherche les meilleures places sur le podium. Les copains ils sont très forts, je pense à Simon qui a pas trop de chance, il y a Camille, Payot. Et je fais la différence, je pense, sur un choix de matériel. Toujours chez les hommes, c'est Simon Le Prévost qui l'emporte dans la catégorie Master et Payot Crémades qui finit quant à lui premier dans la catégorie Junior. Chez les femmes, en twin tip toujours, c'est la jeune Nina Bivot qui remporte à seulement 16 ans le NGK Tour. En foil, maintenant, il est champion d'Europe, champion du monde et c'est logiquement qu'il remporte cette finale et le titre du NGK Tour. Il s'agit d'Axel Mazella. Ici, je reviens sur le NGK Tour pour me faire plaisir. Partager des bons moments avec tous mes amis et les compétiteurs, partager mes expériences aussi sur le tour et pour pousser les jeunes aussi. Elle nous vient de Dunkerque, elle vient de remporter le titre de championne de France de foil, elle remporte cette finale et le NGK Tour 2019. Anaïs Mé Desjardins finit première chez les femmes. Toujours en foil, deux autres titres ont été décernés. Billy Guy Maupass l'emporte chez les Masters hommes et la prometteuse Mathilde Garando s'impose en junior chez les filles. Le NGK Tour 2019, c'est fini. Cette année encore, les ingrédients qui font le succès de cet événement qui a plus de 10 ans ont été réunis. Convivialité, bonne humeur et le dépassement de soi au cœur des éléments. Voilà la recette gagnante qui convient aux champions comme aux amateurs, aux jeunes comme aux moins jeunes. Le but principal du jeu étant toujours d'être devant son ami. Les vieux, c'est les meilleurs. C'est nous les plus forts. On a fait la queue de peloton, on était bien. J'étais avant-dernier et là, je crois que je suis quatrième dans mon classement. Autant dire que c'est bien. La ouais, c'est qui le boss sur Andy Green? C'est lui. En kite, c'est lui. En kite, c'est lui, mais... Il a mis tout le monde d'accord, là. Ouais, c'est pas la peine de me filmer, moi. J'ai fait zéro manche. C'est dommage. Non, mais c'est un bon caddie. Nickel, je finis troisième à la dernière, enfin. Le mot de la fin. Je me suis fait déchirer. C'était sympa. Extraordinaire. Là, on sera un peu défoncé. Hein. Il y avait beaucoup d'air, mais bon, trop contente. Vous pouvez compter sur moi pour l'NGK Tour 2020.